Salut à tous, c'est Chad et bienvenue sur Bugland. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite compilation de Easter Egg qu'on va pouvoir trouver sur Just Cause 3. Alors rendez-vous à Vico Platessa, à cet endroit là où je suis exactement, et on va aller chercher le premier Easter Egg qui est un pistolet un petit peu spécial. Alors normalement il va se trouver vers ici. Voilà, il est là, parfait. Ah ouais, d'accord, ok, ça me fait direct une tête comme ça, d'accord, ok, pourquoi pas. Donc allez, on va aller tester tout ça. Donc c'est censé faire une grosse tête à tout le monde, pas seulement qu'à moi, mais surtout les faire s'envoler. Alors on va aller voir ça. On va replanter des tournesols, et tu verras. Et par contre, tu feras gaffe, t'as un petit peu de sang dans l'oreille. Voilà, non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, doucement, voilà. Ah. Ah là, on est bon. Donc il faut utiliser le grappin pour pouvoir les faire s'envoler. Ah, ça marche bien. Mesdames et messieurs, aujourd'hui super promotion, un ballon acheté, un ballon offert. Profitez de l'offre exceptionnelle. Eh vous, monsieur, ouais, tu veux des ballons? Ils sont pas chers les ballons, profitez des ballons. Allez. Ah, j'ai un ballon qui s'est perdu. Ah, je crois qu'on peut plus rien faire pour toi. Ah mais non, c'est celui de tout à l'heure. Bonjour madame, alors un petit ballon, ça vous ferait plaisir? Pour vous, pour votre enfant? On va monter le stand sur la place. Super ballon, regardez ça, comme ils sont beaux. Ah merde. Bonjour messieurs, on vend des super ballons aujourd'hui. Super offre promo, venez en profiter, regardez comme ils sont beaux. Il est où le ballon? Ah, il est là. Regarde, regarde comme il est beau le ballon. Profite. Tiens, regarde, regarde le ballon. Mais regarde le ballon. Voilà, il est pas beau le ballon. Là, c'est un peu chelou. Non. Oh putain, il est parti comme une bombe. Oh, bâtard. Bah ok, d'accord, si c'est tout le monde contre moi, je me casse. Attends, attends. Oh oui. Oh. Oh. Oh là, on tient un truc sympa là. Mais oui, t'es beau. Oh! Merde. Allez, on enchaîne, on se retrouve ici exactement sur la position au niveau de la carte. C'est exactement cet endroit pour une petite référence cinématographique. Puisqu'on va voir, alors ça se trouve là-bas au bout. Voilà, donc pour ceux qui l'ont pas reconnu, c'est le marteau de Thor. Hein, donc une petite référence cinématographique qui est pas sans rappeler d'ailleurs la scène de fin de Iron Man 2, il me semble. Sur le marteau de Thor, hein, qui était posé justement dans une situation un peu identique. Et donc on est parti pour un petit test où on va essayer de devenir le dieu du tonnerre, donc essayer de lever le marteau de Thor, ce qui est normalement impossible. Premier essai, allez c'est parti à base de câblage, on tente le coup. Non. Deuxième tentative pour essayer de devenir le dieu du tonnerre, et c'est mal barré. Allez, encore un petit coup. Troisième tentative, et là on a sorti l'artillerie lourde, attention, c'est parti. Ok, ça n'a pas tenu du tout. Allez, c'est parti, on va foncer dans le tas, on va essayer de décrocher ce marteau, c'est parti, attention. Non. Oh non. Dernière tentative, et là on joue le tout pour le tout, c'est parti. Allez, à fond, on va décoller. Suite à cet échec, on se retrouve ici sur cette position pour un nouvel Easter Egg. Alors on va aller voir, donc moi j'ai rien compris hein, de ce que c'était. Hop, on s'en approche. Le voilà, il est... Alors, ok. Comment on se retrouve, bonhomme de neige? Apparemment, ils ont l'air de se connaître. Tu te souviens la fois où on est monté au sommet de... Eh non, il bouge pas. Alors, on va te mettre une mine dans l'œil gauche. Une mine dans l'œil droit. Mais qu'est-ce que c'est? Ah ouais, d'accord. Il a aussi le pouvoir de faire léviter les objets autour de lui. Que dalle. On va aller voir ça un petit peu plus près. Ah. Et il est toujours là, hein. Voilà, un peu noir, mais toujours là. Ah,
Voilà, on se retrouve à Porto d'Arsena pour ce quatrième Easter Egg. Alors là, un Easter Egg un petit peu particulier, vu qu'on va carrément passer sur du Stargate. Hein. Alors on va voir ça. Donc là, je me retrouve face à quatre interrupteurs, et donc je sais pas du tout ce que je vais faire, on va tester tout ça. Bah allez, on y va au hasard. Hein. Bon, ça a pas l'air de fonctionner. Rien ne se passe, alors on va chercher un petit peu autour, voir si on trouve pas des indices. Voilà, donc après 2 heures de recherche, j'ai fini par trouver, merci Internet. Donc c'est 1, 4, 3, 4 et 2. Voilà. Voilà, voilà. Ok, donc c'était bien ça, il m'en manquait juste un. Le 1 à la fin, voilà, donc ça s'ouvre. Sympa, on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Pas mal. Est-ce qu'il faut sauter? Bah, allez, on va sauter. Oh non! Oh! Bah allez, c'est parti, on recommence. Voilà, c'est ouvert et là, on va pas se laisser avoir. On va sauter tout de suite. C'est parti. Ah, stylé! Ah, un temps de chargement, parfait. Wow! Ah, c'est sympa, ça. Et où est-ce que ça nous amène? Ah, par contre, ça m'a changé la voix en voix de femme. Quoi, c'est tout? Donc on se retrouve ici. Ouais, en fait, c'est un TP, quoi, tout simplement. Je suis pas satisfait! Allez, on enchaîne avec le dernier Easter Egg. Alors, on se retrouve ici sur cette position-là actuelle à côté de Valdemar. Voilà, juste ici. C'est là qu'on va pouvoir trouver des bateaux assez sympathiques. Donc, c'est parti, on y va. Et les voilà, oh, qu'ils sont mignons. Un peu monté dessus. On s'éclate! Ah, donc on va plutôt le mettre dans la plage, là, de la manière la plus délicate possible. Voilà. Super. Attention. Olé! Excellent. Excellent. On n'est pas bien, là. Oh, c'est incontrôlable. C'est parti, on va amener nos deux petits canards, là, sur une plage. En plus, je connais un endroit très sympathique, on va bien pouvoir s'amuser. Attends, j'ai l'impression qu'ils ont décroché, là, les canards. Non! C'est parti pour la deuxième tentative. Alors là, on va pas reproduire les mêmes erreurs, hein, on va faire attention. Voilà. Allez, là, on est plutôt pas mal. Voilà, on est arrivé à la plage. Alors, on va poser ça délicatement. Hop. Voilà, on est bien là. Salut. Voilà. Bonjour, madame. Un petit tour? Tu veux faire un tour de canard ou quoi? Vas-y, viens, j'en ai deux. Eh, hey, t'as vu la cascade que j'ai fait pour toi ou quoi? Allez, monte, regarde, tu vas voir, c'est sympa, on va se marrer. Voilà, c'est bien. Donc là, tu tiens bien, là. Tiens bien le guidon. Voilà. Tiens bien le guidon et tu vas voir, on va faire un tour. Allez, on y va. Ah, là, elle se met bien, là. Là, on se met bien, là. On est bien. Franchement, là, ça se voit pas trop. Mais en vrai, elle s'éclate, là. Allez, c'est parti pour battre le record de vitesse des canards. On y va. Ah, elle est tombée. Elle est tombée. C'est pas grave. C'est pas grave. Regarde, remonte. Remonte dessus. Voilà, tu te tiens bien. Hein. On y va. Oh. Ça va, madame? On s'en bat les steaks. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur les Easter Eggs vous aura fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour la soutenir et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. A plus, ciao, ciao!